Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a averti que c'était le Royaume-Uni et non l'Union européenne qui souffrait le plus si les négociations commerciales sur le Brexit échouaient sans un accord. Olaf Scholz a déclaré que l'objectif de l'UE de parvenir à un consensus avec le Royaume-Uni était basé sur les accords existants. Cela en avion su alors que le Royaume-Uni fait la pression pour annuler des parties d'un précédent accord de sortie juridiquement contraignant. Les 27 pays du bloc européen ont déclaré à Londres qu'il y avait peu de chances que de conclure un nouvel accord commercial, à moins que le Royaume-Uni ne change de cap.